Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de la saison 1 des Dessons Jetés, une émission de jeu de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs aux personnages hauts en couleur. C'est le tout dernier épisode avant notre live du 28 juin à 19h sur Twitch. On vous attendra nombreux et nombreuses sur la chaîne Twitch Golden Link qui s'affiche juste en dessous et qui est également en lien dans la description. Mais en attendant, plongeons-nous dans ce tout dernier épisode avant la clôture de notre saison 1, et likez, commentez, partagez, c'est parti. Tandis que nos aventuriers s'attendaient à appréhender le grand maître du culte de Yurgat, seul, c'est à un adversaire redoutable accompagné de morts réanimés qu'ils ont eu affaire. Le combat fut rude, très rude, et c'est victorieux, mais avec un Eldebaf inconscient, que les aventuriers ont péniblement terminé cet affrontement. C'est donc la fin de ce combat. Vous êtes de nouveau au repos, si je puis dire, avec un Eldebaf qui est toujours au sol, inconscient. Moi, je suis j'essaie de faire premier secours. Tout court, ouais. Alors, premier secours, le truc, c'est qu'il est déjà stabilisé grâce à la potion, donc tu vas tu pas pouvoir pas faire grand chose. Tu peux pas lui redonner des points de vie ? Non. Non. Donc, premier secours, tu ne peux pas lui redonner des points de vie. Avec le repos et les potions. Je lui file ma dernière potion. Ouais, okay. Histoire que... Ouais, et puis on va se reposer peut-être quand même, parce que moi j'ai mal aussi. T'es à combien de points de vie là pour l'instant, Eldebaf ? Je suis à moins 9, je suis à moins 9. T'es à moins 9, si t'arrives okay. à faire le max, je suis pile à 0. Mais bon, une chance sur 8. 7. Donc 7 points pas mal. De vie. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, mais pour l'instant, Eldebaf est toujours inconscient. Vous êtes dans cette salle. On va fouiller le bonhomme, hein. Il y avait effectivement deux sarcophages dont le couvercle est tombé, desquels sont sortis les squelettes. Vous avez un autel sur lequel il y a un réceptacle avec du sang qui est posé, et l'homme qui est au sol avec la tête en forme de bouillie désormais possède un certain nombre de choses sur lui que je vais vous décrire. Une dague qui semble magique. Il a également une arbalète légère et il a une cotte de maille, une rondache en acier et, alors que je vous dise aussi les richesses qu'il avait sur lui, il avait 6 pièces d'or, 5 pièces d'argent et 4 pièces de cuivre. Il avait également une lettre sur lui. Ah. Une lettre du dénommé Yurgat lui était adressée. Oh. Ah, donc c'était pas Yurgat ? Non. Bah non. Mais non, Yurgat, il était pas là. Et la lettre dit ces mots. Kélis, je pars pour la crypte avec les 5 élus. Rassemble les adeptes et rejoins-nous dès qu'ils seront prêts. Le rituel ne saurait attendre votre retard. Si vous n'êtes pas là, nous procéderons sans vous. Ah bah mince alors. Il va peut-être pas être là du coup. Il aura et, du retard. Vous trouvez également une, alors deux potions sur lui. Une potion qui ressemble très fortement aux potions de soins que vous avez récupérées. Super. Et une potion qui, en revanche, de laquelle vous le voyez, émane une énergie noire. Alors, de la potion de soins, il émane une énergie blanche, et de l'autre potion, il émane une énergie noire. Nécromancie. Okay. Voilà. Vas-y, je balance direct la potion blanche à Eldebaf. Ok. Donc je vais faire cette fois-ci moi-même le jet. Tu regagnes 3 points de vie. Oh désolé, j'ai fait un jet de merde.
Ah, ah c'était une potion, potion de soins modérés. Eh ben... Au moins, il a un PV, quoi. Ah non, c'est juste qu'elle a été fabriquée par un autre, un mec, un meilleur mec, je crois. Ouais, elle a juste un niveau supplémentaire de soins. C'est ça. Eh ben, je suis à 1. Ouais, oh. Il revient à lui, et le debuff revient parmi les vivants. Il est dans un sale état. Ben, ouais, je vais examiner la dague magique. Ouais. Ouais. Alors, tu observes qu'autour de la dague, il y a également une aura noire qui en émane. Donc, un sort de nécromancie qui est relativement... Alors, vous voyez que par rapport à l'aura qui était présente sur la potion, qui était relativement faible, là, cette aura est bien plus puissante. D'accord. Okay. Sauf que c'est de la nécromancie, j'ai pas moyen de la détruire, ici. Ça va être potentiellement compliqué, effectivement, ouais. de la détruire par toi-même. T'as mais je la mets pas, de côté. T'as pas les outils qu'il te faut pour la détruire, mais... Ok, je la mets de côté, je l'emballe dans un tissu, une connerie comme ça pour... Ok. Tu trouves sans difficulté, en découpant un pan de la tunique du type, un morceau de tissu pour l'emballer. Vous trouvez également des choses sur les squelettes. Ah oui. Ils avaient des poches, eux. Ouais. Et les squelettes étaient des squelettes de personnes un peu plus nobles et des guerriers. Et donc, ils étaient équipés de différentes choses, notamment une cuirasse. Ils avaient également un écu en acier, chacun. L'un des deux avait une épée longue de mètre et l'autre avait une lance de mètre. Ah ouais, quand même. Et chacun d'entre eux avait également... d'anciens vêtements encore sur eux, avec une ceinture, avec quelques bourses au niveau de la ceinture. Et donc, ouais. Vous retrouvez au total sur eux 9 pièces d'or oh oh. Et 6 pièces d'argent. Moi, je veux prendre la ceinture pour transporter des trucs. Bon, ça permet juste d'accrocher des bourses, voilà, des trucs comme ça, et de ouais, tenir ton pantalon. Hein, À mon avis, t'as une meilleure ceinture que en fait, ça. Le principe, c'est juste que c'est une ceinture. Et ta bourse, après, tu l'attaches à la ceinture. Mais la ceinture n'a pas de poche en elle-même. Bah, oui, mais... Non, mais après, si t'as pas de ceinture, tu peux porter cette ceinture, hein, si tu veux. Après, j'ai une sacoche de ceinture, mais j'ai pas précisé que j'avais une ceinture pour accrocher ma sacoche de ceinture. Oui, mais... Ah, pardon, je me suis trompé. C'était une pique qu'il possédait, 2 mètres. C'était pas une lance. Pas une lance. Et vous trouvez également dans cette pièce un petit journal enfin un livre plutôt qu'un journal, qui appartenait donc à ce prêtre, à Kélis, que vous avez plus ou moins identifié. Et dans ce livre, vous voyez qu'il s'agit d'un livre qui, dans lequel il a déchiré des pages et pour stocker des pages de différents ouvrages. Ça semble rassembler un certain nombre de recherches, notamment... dirigé sur Eristée. Dans ses recherches, vous feuilletez un petit peu ce qu'il y a dedans et vous comprenez que donc Eristée était un saint homme qui avait combattu pour Méalié au cours de la guerre du Premier Âge, hein, qui a marqué notamment la fin du Premier Âge, une fois que les dieux, après cette guerre, ont choisi de séparer le continent de l'archipel. Et à partir de ce moment-là, en fait, Eristée a fondé beaucoup de choses dans le pays. Il a prodigué la bonne parole un peu partout. Il a fondé la ville de Terrascon et il a construit, donc c'est sa plus grande œuvre, il a construit donc le temple d'Eristée à Terrascon. Et il est mentionné qu'il était porteur d'un sceptre particulier. Ah ah. Ce sceptre avait comme capacité d'étendre en fait l'eau. Donc, en cours de combat contre les forces des trois dieux qui composaient la triade, ce sceptre permettait d'étendre la bénédiction de Méalié aux forces combattantes avec les hommes et de les soigner par l'action de bénir l'eau en fait, concrètement. Très intéressant. Pour un groupe qui n'a pas de soigneur. Donc une fois corrompu, admettons qu'on te corrompe, il y a moyen de corrompre un bon paquet de choses d'un coup.
Tu comprends effectivement qu'il souhaite utiliser ce sceptre en combinaison avec la corne, à savoir que la corne, elle, génère une eau qui est maudite quand vous la buvez. Ouais, puis tu pourris l'eau courante de la ville et voilà. Vous comprenez aussi, voilà, dans les recherches que la corne en elle-même génère une eau qui est maudite, qu'elle ne n'accorde absolument pas la longévité et l'immortalité à la personne qui la boit. Wow. Et qu'il compte se servir du sceptre pour effectivement étendre cette eau et la propager davantage. L'autre chose que vous apprenez aussi, c'est que le sceptre a été enterré, a été inhumé avec Éristé au moment de sa mort. Donc au temple ? Non, pas au temple. Non, justement, on savait pas où il était enterré, Éristé, justement. Voilà, alors vous avez dans les recherches des informations disant que voilà, qui repose sur les derniers jours d'Éristé, et donc son repos, il a choisi de passer donc sur une côte au sud de la ville, où il a en fait simplement il y a un mausolée qui a été érigé donc sur la côte en direction de la mer. Alors quand je dis au sud, c'est plusieurs lieux. Hein, Est-ce que c'est genre 10 lieux ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est à 10 lieux ? C'est plutôt genre 15 lieux. Ouais, mais peut-être que le sceptre, il est à 10 lieux, lui. Non, mais attends, parce qu'il a dit... Ils l'ont trouvé ou pas, le sceptre ? Ben, je pense que... Non, je vais trop loin. Dans la lettre, il dit qu'il se retrouve où ? Au tombeau ? À la crypte. À la crypte. Ouais. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un dernier tour des lieux et on va direct prévenir les adeptes de Cruz. Les prêtres, ouais. Histoire que... Puis même, d'ailleurs, je pense qu'ils transmettront l'info à pas mal de monde parce que là, on est quand même sur quelque chose de... Je veux dire, on menace carrément le Terrasco entière. On perd pas de temps, on passe au temps. On en parle aussi aux abeilles et tout. Tout l'archipel. Oui, ouais, évidemment, puis on en profite pour se faire soigner, ça pourra pas faire de mal. Et alors, puis, surtout derrière, aux guérisseurs qu'il faut que vous adressiez pour... Oui, à Derlis. Allez, bon, bah, du coup, go, hein. Juste, on fait un dernier tour histoire de vérifier l'intégralité de l'endroit, mais je pense qu'on a trouvé l'essentiel quand même. Je pense aussi, ouais. Et puis, bah, ouais, ok. Bon, hein. Très bien. Il n'y avait rien d'autre, effectivement, dans cet endroit. Vous en sortez, Enfin, c'est un peu difficile, hein. Vous êtes quand même dans un état de dépérissement, mais de... de dégâts avancés, on va dire, hein, voilà. Et vous ressortez des catacombes. Par où ressortez-vous ? Par la porte du port ? Bah, la porte du temple, ouais. Bah, le temple, hein. Tant qu'à faire, on gagne du temps. Ok, ça marche. Donc, vous approchez de la porte du temple. Vous approchez de la grille, derrière laquelle vous voyez le prêtre qu'on a chargé de garder la grille, qui est un peu assoupi d'ailleurs sur une chaise là. Vous secouez un peu, vous le réveillez. Fais ton boulot ! Il vous reconnaît, et il ouvre pour vous faire remonter. Le sang et vous vous retrouvez de nouveau dans le temple d'Éristé. Ok. On a des choses à vous dire, les gars. C'est passé des trucs ! Alors, déjà, ce jour, un guérisseur, s'il vous plaît. Ce jour, c'est une prêtresse de Cruz qui officie là. L'autre est parti se reposer, il est rentré chez lui. Là, c'est une prêtresse de Cruz qui est présente et vous pouvez retrouver Deryline comme à son habitude dans la pièce de soins des guérisseurs qui est en train d'officier et qui vous voit dans un état déplorable et qui s'approche de vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a battu des gens qui... des adorateurs de Gol'Taras et notamment des nécromanciens. Ça, il y avait du monde là-dessous. Oui, asseyez-vous. Je vais vous soigner. Vous êtes dans un état. Ouais. Racontez-moi tout ça pendant que je vous soigne. Si vous en aviez d'ailleurs des potions plus à la framboise ou un autre truc, parce que là j'en ai marre de toujours goûter les mêmes. Ah, tu la vois surtout qui se concentre en fait sur son symbole. Tu ressens des vagues en fait de chaleur qui viennent t'envahir et refermer tes plaies, etc. au fur et à mesure. Donc ce sont des canalisations qu'elle lance tout simplement et
qui vous soigne. Hop, donc une première canalisation. Allez. Une deuxième et une troisième pour la forme. Voilà. Elle vous soigne, voilà. Bon, dites-moi rapidement dans quel état vous êtes après ça. Vous avez regagné un total de... Je suis à 23 sur 43. Ah oui, d'accord. Bon. Pour on toi, regagne tout ça ? Oui, oui, c'est une canalisation. Donc ça veut dire que c'est toutes les personnes qui sont autour qui en bénéficient. Ok, bah moi c'est bon. C'est 22 pour moi. C'est tournée générale. Et du coup, elle fait un petit sort de plus pour elle de baf. Hop, bon, malheureusement c'est un peu faible, mais tu regagnes 8 PV de plus, elle de baf. Je la remercie chaleureusement. Donc pendant ce temps-là, comment vous lui racontez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui dites exactement? Comme un enfant qui raconte sa journée, mais mal. Eh ben vas-y. Il y avait des squelettes, et puis moi j'ai fait piou-piou. Et les squelettes, ils nous ont tapés. Et la télé, elle baf, elle a mis smash. À moi, il y en a un, il m'a poignardé. Et après, la tête, paf, pastèque. Voilà. Paf, pastèque. 4, 3, 5, comme quand ça reste trop longtemps au micro-ondes. Kratel, est-ce que vous pouvez me résumer tout ça de manière voilà. Un peu plus claire, s'il vous plaît? Condense. Oui, on a eu des informations comme quoi nos ennemis se réunissaient dans les catacombes. On a fait quelques recherches pour se rendre compte qu'elles n'avaient pas du tout, enfin qu'elles avaient été profanées plus d'une fois. Certains des accès ont été désobstrués. Donc on s'est rendu sur place en prévenant les prêtres de Crous qui en avaient la charge. À l'intérieur, on a rencontré, on a croisé une messe, enfin ce qui ressemblait à une messe. La plupart des membres sont sortis. On s'est introduit dans les lieux. Il restait deux personnes qu'on a tuées toutes les deux parce qu'elles pratiquaient la nécromancie et qu'elles étaient des menaces directes pour nos vies. On a trouvé cette liste, ce registre contenant tous les noms des gens qui ont participé. La liste, l'arme du crime, voilà. Ainsi que le journal de Kélis, donc un des membres du collectif, qui en gros nous explique quel est leur but, à savoir utiliser le sceptre d'Éristé en combinaison avec la corne de Gol'Tarath pour corrompre l'eau de la ville. Je ne sais pas quelle eau exactement, mais en tout cas corrompre l'eau. Et donc du coup j'imagine permettre la libération de leur dieu ou juste... La corruption avec cette eau maudite. Corruption avec cette eau maudite. Elle fait un peu des gros yeux, elle prend note de tout ça. Oui, je vois. Merci pour l'enquête que vous avez menée et toutes ces informations. Je vais faire remonter ces informations à mes supérieurs pour traquer tous les membres de cette secte. Cela risque de prendre cependant un petit peu de temps et de ce que vous me dites, Obeshad semble déjà parti, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, ouais. Il est parti pour la crypte d'Éristé dont ils ont a priori déterminé l'emplacement à 15 lieues au sud d'ici. Alors il s'appelle Yurgat maintenant aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Yurgat. Les noms. Je ne sais pas pourquoi, mais ce nom me dit quelque chose. Ça doit avoir une signification dans une autre langue, potentiellement. Vous savez où ils sont partis? Vers le sud. Normalement. Sud, dans un mausolée érigé pour Éristé. Par Éristé, je sais plus, j'ai mal écrit. Dans un mausolée pour Éristé, d'accord. Au sud de Terrascon. Malheureusement, je vais avoir du mal à rassembler là dans l'instant. J'ai l'impression que ça urge un peu, qu'ils sont partis assez précipitamment. Peut-être ouais. Que le fait de vous avoir croisé l'ont fait accélérer leur plan. Ça va être notre faute maintenant. Non. C'est ce que vous avez fait est une très bonne action. Vous avez débarrassé la ville de deux personnes qui réveillent les morts sous la ville, c'est déjà quelque chose de très positif. Je pense que malheureusement je vais encore vous demander une dernière chose, savoir de peut-être vous rendre là-bas, et je pense que les cinq personnes qui sont citées dans la lettre
de ce nouvellement dénommé Yurgat pourraient être des sacrifices pour accomplir justement un rituel qui lierait les deux objets saints. Même si bon, c'est une corne maudite, mais malgré tout ça reste un objet associé à un dieu, donc ça reste un objet saint. Et je pense que ils ne sont pas forcément d'un grand danger eux, mais Obochad lui il l'est. Donc Ben nous on va juste prévenir les prêtres de Cruz. Oui, bien sûr. Attendez, avant que vous ne partiez, je pense que ceci devrait vous aider. On va essayer de rassembler des personnes rapidement pour traquer déjà les membres du culte dans la ville et partir à votre suite en direction du mausolée si les choses ne se passent pas bien, je ne l'espère pas. Mais je vous donne ceci qui pourrait vous aider. Et elle vous tend en fait une petite baguette. Elle vous tend une petite baguette qu'elle donne à Kretel en disant que voilà, en invoquant en fait son savoir divin, il pourra potentiellement vous soigner. Et c'est une baguette de soins légers. Très bien. Dans laquelle il y a 50 charges. Demandé, oui. 50 charges. Bah, elle est neuve. Hein. Yes. Elle est neuve. Ouais, on vient de récupérer 50 potions légères. Cool. Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir l'aide de l'Uridis? Non, elle est pas dispo. Malheureusement, l'Uridis est à Ignazis en ce moment. Elle a mené les abeilles de Terrascon sur place là-bas. Et je crois qu'il y a une guerre un peu dans les égouts qui est en cours, plus ou moins. Et le roi a été informé de la situation à Ignazis et dépêche également des soldats pour reprendre le contrôle de la ville. Il jusqu'à présent était sous le contrôle d'un maire, mais je pense qu'il va installer un gouverneur étant donné la situation présente. D'accord. Bon, de toute façon, on n'a pas 10 millions d'options. On va passer chez les Alepes de Cruz et puis on va faire le plein de... Enfin, on va refaire nos stocks et puis on va se diriger vers le sud. Hein. On est un peu pressé, là. Merci pour ça, et puis on se retrouve peut-être plus tard. Que la bénédiction de mes alliés vous accompagne. Et au moment où elle dit ça, en fait, vous sentez qu'elle incante quelque chose. Et vous bénéficiez d'une bénédiction donc de mes alliés qui vous accorde un bonus donc temporaire de sagesse, un bonus de sagesse de plus 1. Et moi j'aurais bien, tant qu'on y est, fait une petite prière pour mon dieu aussi, ouais. Anne. Alors, du coup, effectivement, donc, vous pouvez chacun faire une petite prière, sachant que si vous... Enfin, je crois qu'il n'y a que Mibi qui ne vénère pas un dieu en particulier. Eldebaf, toi, ça te permet d'avoir un bonus de constitution temporaire de 2 plus 1. Non, c'était même plus 2 que je t'avais dit. Bonus de temporaire de plus 2, donc oui, il a duré 24 heures. Oui, la dernière fois, t'as raison, c'était 2, ouais. Voilà, Kratel, toi, si tu pries Cruz aussi de ton côté, ça va t'accorder un bonus de volonté de plus 1, temporaire. Ouais, j'en ai pas assez, tiens. Il va être blindé. Après, ça dure que 24 heures, hein, donc c'est pas non plus... Oui, mais bon. Voilà. Mayal, toi, tu as un bonus donc de connaissance nature et tu as aussi un bonus d'ailleurs de survie en nature de plus 1 pendant 24 heures. Alors, les prêtres de Cruz, du coup, vous écoutent attentivement sur ce que vous avez découvert en bas dans les catacombes. Ils sont un peu navrés d'avoir été pas mal occupés ces derniers temps et de ne pas avoir fait un tour dans les catacombes depuis un moment. S'en excuse un peu. Ils vous annoncent qu'ils vont descendre dans les catacombes pour recondamner l'accès ou les accès qui ont été désobstrués, conjurer les lieux, bénir également les tombes qui ont été profanées, et ils vont faire ça en collaboration avec les paladins d'Eroneus. Parfait. Eh ben nickel. On les met au courant aussi du coup de ce qui va se passer dans la crypte au sud. En leur disant que s'ils peuvent répandre la parole auprès des autres cultes, tous les bras et toutes les aides qu'on pourra recevoir seront utiles, je pense. Nous, on va se mettre en route vite parce qu'il faut qu'on agisse, mais si jamais ils peuvent apporter du soutien à un moment ou à un autre, ce sera jamais perdu. D'accord, très bien.
eh bien, nous ferons passer le message qu'un groupe d'aventuriers menés par Crous vont combattre au mausolée d'Éristé, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Tout à fait, en bord de mer. Si nous trouvons des volontaires, nous vous les enverrons. Mais j'espère qu'ils vont en trouver. Yes. On a un backup. Au cas où ça se passe mal, on a un petit Deus Ex Machina, au cas où. Et finalement, alors, vous étiez dans la mer. Et donc du coup, après ça, est-ce que vous faites une dernière chose dans la ville avant que vous ne partiez? Bah écoute, alors, moi, j'ai bien aimé les grenades, donc je vais en faire quelques-unes. Hein. Un petit stock de grenades. Mais carrément. mais fais-toi 20 grenades, hein, je sais ah oui, pas. Et, oui, attends, j'avais repéré un truc que je veux absolument me faire parce que je trouve ça beaucoup trop cool. Ouais. Je vais me fabriquer, allez, deux par sécurité, deux lames liquides. Lames liquides, d'accord. Alors, donc en gros, je t'explique, c'est un tube en métal de la longueur d'une paume. En fait, je peux la vider. Et en fait, quand je la vide, ça devient une lame cristalline qui dure 10 minutes. Ah, classe. Ouais. Et une fois qu'elle s'est évaporée, je récupère le tube et donc voilà. Mais là où c'est formidable, c'est que je peux ajouter au poison dans le tube, enfin, je peux ajouter du poison au liquide dans le tube. Donc ça devient une lame empoisonnée. D'accord, c'est très classe. Très très classe. Voilà. Et donc je dois faire un jet d'alchimie à 15 pour réussir à la fabriquer. Et donc je vais m'en fabriquer deux avec mon poison que j'ai là. Il me semble que si je dis pas de bêtises, l'alchimie, tes solutions alchimiques, elles ne sont valables que pour 24 heures. Il faut que tu les refasses chaque jour, c'est ça, non? Là c'est pas précisé parce que le tube est hermétiquement fermé. D'accord. Okay. Je vérifie tout en haut de la page. Regarde au niveau de tes alchimies comment ça se gère et dites-moi ce que vous souhaitez faire dans la ville avant de partir. Voilà. On rend le livre. Moi on parle. Oui, on rend le livre. Ah oui, le bouquin à la bibliothèque. Ok, ça marche. Alors, okay. Donc vous. Pour chercher un petit plan de ce mausolée ou de cette crypte là. Oui, on peut peut-être rechercher à la bibliothèque. Oui, parce que là, finalement, on part un peu à l'aventure. Enfin, si on y va là maintenant, un peu vif. Juste du coup, quand le prêtre de Crous, il a dit « Ah, vous allez au truc de... à la crypte de... » Oui, au mausolée d'Éristé, ouais. Ouais. Il a dit ça, genre, en réponse à ce qu'on lui a dit, ou parce qu'il avait l'air de connaître... Non, il a dit ça en réponse à ce que vous disiez. Ok, d'accord. Vous connaissez pas. Alors après, si, c'est un des mausolées les plus célèbres, on va dire. Du coup, vous arrivez à la bibliothèque et vous retombez sur cette petite dame avec ses lunettes au bout du nez qui est en train d'écrire. Oui. Lui, il a pas rendu son livre. Ah, chut, faites pas de bruit. Alors, qu'est-ce qui vous amène? On ramène. Déjà, ah, oh, c'est bien, vous êtes ponctuel. Merci. Elle le met sur un chariot qui va servir à aller le ranger. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres ouvrages à parcourir les étals. Bonne journée. Peut-être on va théologie pour rechercher des infos sur le théologie. Oui. Sinon, vous allez à Éristé. À Éristé, voilà. Nous aussi, oui. Peut okay. Marcher aussi. Donc vous faites quelques recherches, je vous demande un jet de perception. Allez, c'est mon point fort dans cette bibliothèque. Il y a peut-être un livre pour enfants sur Éristé. Alors 16 pour Mibi, 27 pour Mayal. Okay. Je t'emmerde. Oh non. Voilà. 27, ça déjà je pourrais pas le battre. 16 pour Eldebaf. Ok. Et donc 29 pour Kratel. Alors, vous cherchez un peu dans la bibliothèque. Toi, Eldebaf, t'as trouvé un livre, La vie d'Éristé illustré. Donc voilà, un saint homme qui sert à apprendre aussi les bons gestes, les bonnes choses à faire dans la vie aux enfants. Hein, voilà, donc La vie d'Éristé, c'est un peu le Martine de ce monde-là, mais version saint homme qui apprend. Ça, c'est les méchants, et Éristé, il tape. Ouais. C'est un peu la Bible illustrée, mais version dédiée à ce saint homme. Bon, il t'apprend pas grand chose, à part qu'à la fin, effectivement, t'as
T'as un petit, une petite image dessinée du mausolée sur une page où tu le vois donc voilà. J'ai un indice. tu le vois qui donne en fait sur la mer intérieure. Donc avec un joli coucher de soleil derrière, avec un Eristée repose désormais en paix ou un truc comme ça. Voilà. Si on trouve ce coucher de soleil, on trouve le mausolée. Il est partout. Je suis un enquêteur. La mer, elle est au sud. Le soleil, il se couche pas au sud. Non, mais c'est une représentation pour enfants. C'est une licence poétique. Connaissance nature. Ah. Alors, j'ai un bon niveau. Bravo. Elle a fait un échec critique. Si, si, le soleil, ça se couche au sud. Donc, vous autres, vous cherchez et vous trouvez quelques ouvrages qui concernent Eristée, notamment un sur sa vie, son œuvre, hein, grosso modo. Sachant que vous remarquez que, notamment, dans ce livre-là, il y a des pages manquantes qui ont été déchirées. Et, Ah, merde. Est-ce qu'on les a pas retrouvés dans le journal de Kelly, c'est bah si, ça, vous avez l'impression que ça semble complété, mais voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les avez encore avec vous d'ailleurs? Est-ce que vous les avez donnés au temple? Ça nous aurait servi pour la suite. On n'en a pas parlé. Donc vous voyez qu'il y a certaines pages qui viennent coller dans ces ouvrages-là et qui du coup complètent l'histoire d'Eristée dans le livre. Bah, pas grand chose à part un emplacement qui vous est donné. Donc vous voyez sur une carte où est situé le mausolée d'Eristée, de manière relativement précise hein, quand même. C'est à savoir que il y a une espèce d'apic rocheux au niveau de la côte, et face à cet apic rocheux il y a donc le mausolée qui est érigé sur cet apic, pas vraiment au bout de la pique, un peu à la base de la pique. Donc voilà, vous avez juste ça qui est mis, mais vous n'avez pas de plan du mausolée. Grosso modo, de ce que vous voyez, ça a l'air d'être une construction qui est relativement simple, carrée en fait, où il semble y avoir donc la dépouille d'Eristée qui a été inhumée. Ils ne parlent pas de salles souterraines secrètes Non, ils n'en parlent pas. Pour les sacrifices ou... Non, ils ne parlent pas de ça. C'est assez, assez peu précis, on va dire. Il y a des images ou... Non, il n'y a pas d'images. Les seules images que vous avez, c'est dans le livre La vie d'Eristée illustrée. Elles sont là. Wow. Et un beau coucher de soleil. D'après le dessin avec le coucher de soleil, j'imagine que ça veut dire qu'il est vachement à découvert ce temple, donc ça va se voir quand on va arriver de loin. Ah oui, clairement, il n'y a pas d'arbre autour, il y a une pelouse verte qui a l'air d'être bien entretenue avec quelques tombes autour d'ailleurs. Voilà, c'est un cimetière à ciel ouvert qui pourra se repérer relativement facilement. Ouais, mais ça veut dire que s'ils sont déjà sur place, nous aussi en arrivant on va se faire repérer facilement. Peut-être. Ouais, mais là on n'est plus là pour être discret, là on est là pour péter des bouches. Oui. Ah, mais faut pas qu'en nous voyant de loin, ça se dépêche. Depuis que t'as commencé à faire des grenades, on se sait plus même. Hein. Ah, j'ai commencé à regarder pour faire des petits en armes des mon gars, t'as pas idée. Hein. Non mais en fait il a trouvé la grenade et avant ça il était plutôt en train de dire c'était pas ma guerre, maintenant c'est ma guerre. Ouais. C'est bon, je suis en guerre, c'est la guerre. J'ai pas fait. Oh mais bordel, faut que je fasse des grenades à plomb aussi. Ça existe. Grenade à fragmentation mais attends, et tout. Là ça fout le bull dans toute la salle, nous compris. Non mais attends, on va tous prendre des sacs. Un grand sac à dos pour toutes ces grenades. Hein. Quel merdier. Du coup, donc vous avez fait les stocks de bouffe que vous aviez besoin pour faire ce trajet qui vous prendra quand même quelques jours, hein, puisque vous êtes à pied pour rejoindre cet endroit-là. Est-ce que vous avez prévu de faire un petit détour? Sur le trajet. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que ça semble être sur le chemin notre quête secondaire? Bah potentiellement ça peut être sur le chemin effectivement. Ouais. Le trésor. Et ben. Vous êtes à l'extérieur. Ouais. Et ben ouais. Je Alors pense attends. Qu'on va... Moi avant de quitter la ville, je voulais quand même faire un dernier passage. Je m'aperçois que en fait moi j'ai pas. On me dit depuis le début que j'utilise un bouclier, mais je n'ai pas de bouclier moi très concrètement dans mon. Donc t'as sur pas mon de personnage. Ok. Donc l'idée ce serait que j'aille en acheter un parce que ça va quand même aider la CA, même si c'est juste un petit plus un, ça fera quand même ça peut. Bah il y a les écus en acier qu'on a récupéré des. Enfin il y avait deux écus en acier sur les squelettes. Des écus en acier. Ouais. Oui c'est vrai attends.
Ouais, j'avais noté ça quelque part. Et coup, autre chose aussi, vous avez récupéré des cuirasses aussi. Hein. Tu peux peut-être regarder parce que toi, tu n'as qu'une veste renforcée, je te rappelle. Oui, mais toi c'est aussi, vrai. On ne peut pas en profiter pour vendre le reste tant qu'on y est. Cuir en acier. Alors, ah on oui, fera ça acier, en off. On va partir du principe que vous les avez okay. vendus. Il n'y a pas de problème. Ce que vous achetez, voilà, on va partir du principe aussi que vous parvenez à l'acheter sans souci. Du coup, bah, moi, je pense que je vais faire ça. Je vais m'équiper de la cuirasse et de l'écu en acier. Okay. Ce sera plus logique pour mon personnage et j'aurai une meilleure... Vous partez de la ville. Il fait relativement gris. Il fait pas moche, hein, c'est juste que le ciel est couvert. Et vous avancez, vous marchez donc le long de cette côte et vous progressez. Ça vous prend un certain temps. Vous marchez. Jusqu'à ce que un jour vous approchiez une sorte de plage. Il vous rappelle un petit peu ce dont vous a parlé le moine que vous aviez croisé. Quelles étaient les informations que vous aviez récupérées d'ailleurs à ce sujet-là ? Alors, un arbre desséché, il faut creuser au pied. Il y a un trésor. Sur une plage, un tronc desséché. Moi, j'avais okay. noté tronc. Très bien. Vos deux inscriptions se recoupent plus ou moins puisque ça reste un arbre qui est planté dans le sol mais il n'y a plus de branches, il n'y a plus que le tronc qui est au milieu de cette plage. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah on creuse. Personne parce Alors que... moi j'ai une pioche naine. Ah bah, ça pioche. C'est dans Alors, le la sable, pioche peut aider. C'est dans le sable, effectivement. Alors, à force, il y aura peut-être à creuser avec autre chose qu'une pioche. Hein. Ouais, c'est du Mais, sable. Pioche. Qu'est-ce que j'ai dans mes équipements ? Ça brasse un peu, quoi. Ça va quand même aider que plus à la main. Au bout d'un moment, ce sera peut-être un petit peu plus dur que du sable. C'est ça que je veux dire. Ah oui, donc ça pourra en plus aider plus. Donc, faites-moi un jet de force pour creuser globalement, voir à quelle vitesse vous réussissez à creuser, combien de temps ça vous prend. C'est juste pour ça, hein. On part du principe que vous allez y arriver. Et surtout que vous creusez un petit peu tout autour parce que vous savez pas exactement à quel endroit c'est. Moi, j'ai supervisé les travaux. Allez, ouais. Plus à gauche. Kratel a fait 0, donc et ce n'est pas un échec critique, c'est ça qu'il faut, qui est beau. Mibi a fait 16, Mayal a fait 7, elle est pas motivée. Oh Eldebaf a fait 8, il est pas motivé. Il y a que Mibi qui est la plus motivée. Ça vous prend Allez, du temps. Hein. Vous passez une journée quasi entière à creuser autour de cet arbre que vous avez quasi intégralement déraciné pour trouver ce truc là jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous tombiez sur une espèce de caisse de bois qui a été enterrée assez profondément. Elle est vous grosse. Sortez cette caisse. Alors elle est pas grosse comme ça, elle fait bien cette taille là on va dire quand même, un petit coffre quoi, une petite caisse que vous sortez qui pèse quand même son poids. Vous la sortez et vous l'amenez sur la plage. Dans cette caisse, vous... Comment est-ce que vous l'ouvrez d'ailleurs ? Sabotage. Délicatement. Monocle, pour voir s'il n'y a pas piège, un sortilège. En prenant le monocle, tu regardes un peu cette caisse et tu vois que ce n'est pas la caisse en elle-même dont émane une aura, mais il semble qu'il y ait une aura à l'intérieur de la caisse qui semble irradier un petit peu et que vous voyez un peu passer entre les planches de bois. Quelle couleur ? Cette aura, elle est de couleur bleutée. Abjuration ou illusion ? Oh, illusion. Abjuration. Non, bleu clair. Ah, alors abjuration. Abjuration, ce sont des sorts plutôt axés sur de la défense, de la protection, des choses comme ça. J'avais pas dit que j'achetais un masque de la peste, moi, la dernière fois. Est-ce que... Tu l'as pas fait. Est-ce que on peut, genre... ça a l'air d'être fermé à clé, on est d'accord ? Oui, ça a l'air d'être verrouillé, effectivement. En fait, elle est clouée. C'est-à-dire que dessus, il y a des planches qui ont été clouées. Ah. C'est peut-être un plan cul hein, cette affaire. Hein. C'est le nain qui parle. Bah on essaie de voir quand même. Moi je dis okay. ça, j'aime pas la magie, hein, c'est pour ça. Moi je m'en éloigne de ce bidule. En mode sabotage ou... Ouais. Bah sabotage, hein. Mais je suis assez d'accord.
Ok, mais ça moi je marche. Ah, j'ai un pied de biche. Mais j'ai un pied de biche parce que si c'est cloué, va falloir oui. Y aller un peu à la force. On peut essayer d'abord en sabotage parce que ça fera peut-être pas réagir à un sort si elle est ouverte en mode normal. Alors, comme si déjà, je vais vous demander un jet de perception pour essayer de voir si vous repérez des choses, si vous voulez vraiment voir est-ce qu'il y a des pièges, etc. Je vous suggère un jet de perception. S'il vous plaît, faites-en, j'ai pas envie que vous mouriez maintenant. Il y a le live. Arrêtez d'être bête. Pour le live, bon bah il n'y a plus qu'un. Allez, bam. Bon bah Kratel à l'assaut du mausolée. Hein. 17 pour Mayal, 6 pour Mibi, 36 pour Kratel, 37 même, pardon, effectivement, pour détecter les pièges, il a un bonus. Et ouais, et ouais. Allez et donc le 37 était une réussite critique, je le précise, et le 24 de Eldebaf qu'il vient de faire est aussi une réussite critique, donc là vous avez aucun doute. Hein. Vous regardez la caisse et non. Oh, non, globalement elle a été clouée. On dirait que quelqu'un a voulu abandonner cette caisse. La clouer de manière à ce qu'elle ne soit pas réouverte de sitôt, mais pour autant, il l'a caché. Bon, la sabote. Cœur, ouais, donc c'est quand même. Il y a juste besoin d'un jet de force avec le pied de biche pour l'ouvrir. Ouais. Bon, bah je vais m'y mettre. Hein. T'as fait un 4. Ah, j'ai réessayé tout de suite. Non. Et 15. D'accord. Suite. Ok. Oui, bah tu t'y es repris à deux fois. T'as un peu pété une planche. Et vous réussissez à ouvrir en fait cette caisse et vous découvrez en fait un paquet enrobé dans un tissu. Alors il y a un peu de terre hein, il y a un peu de sable sur le tissu, mais en ouvrant le tissu, vous découvrez une armure en acier. Ce que vous trouvez en fait, c'est une armure lamellaire, donc en acier, donc. Je sais pas si vous voyez un peu les armures. Une armure intermédiaire. Armure des lames dans Skyrim, si ça vous parle pour ceux qui ont joué à Skyrim, ou des armures un petit peu. Un peu légionnaire, non? Ouais, un peu ça, avec effectivement vous avez des bandes de lames de lames d'acier qui forment en fait cette armure. Et elle a l'air d'être relativement ancienne. De par sa fabrication. Malgré tout, elle est dans un état impeccable. Elle est vraiment dans un état absolument impeccable. Et quand vous regardez cette armure avec le monocle, vous y voyez donc une aura d'abjuration qui l'englobe. Donc aura bleu clair, hein, pour vous référer sur le fascicule. Et cette aura est relativement puissante. C'est-à-dire que tous les sorts que fait Mibi, par exemple, dont elle a une aura, hein, globalement, eh bien cette aura est plus puissante que toutes les que l'aura que génèrent tous les sorts de Mibi. Oh, je suis très fort. D'accord. Moi, très clairement, je suis pas spécialement intéressé parce que ça pue la magie, tout ça. Mais on pourrait la faire expertiser pour essayer un peu. Fais un test d'artisanat forgeron. On n'est pas beaucoup à porter des armures là. J'ai jamais vu. Regarde. Bah, ou alors il va faire un truc. Un et c'est de la merde. Non, il y a de la magie, c'est de la merde. C'est mal designé ce truc. Ouais, je m'y reprendrai une deuxième fois, je pense. Si jamais. 23. Okay, 23. Très joli score. 23. Non, effectivement. Il n'y a pas à dire, c'est un ouvrage d'exception. Alors, ce n'est pas de la fabrication humaine. Ce n'est pas non plus de la fabrication naine. Tu n'as jamais vu ce type d'armure. Tu n'as jamais vu ce type de fabrication. Et du coup, tu penses qu'avec 2-3 ajustements, elle pourrait aller parfaitement bien. Ah. Elle est d'une qualité exceptionnelle. Est-ce que je peux éventuellement identifier l'enchantement qui... Tu peux faire un test d'art de la magie pour essayer d'identifier ça. Ça risque pas d'être... Mais bon, on sait jamais. Mm-hmm. 12. Non, malheureusement, ça va pas être assez pour pouvoir identifier ce sort. Tes connaissances en abjuration sont pas suffisamment étendues.
pour pouvoir identifier cela. Et Mibi, tu veux pas essayer? Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, plus, plus à même de contrôler la magie. Ouais. Ouais, bon. Ok. J'ai rien dit. Kratel, t'es notre référent magie. Ouais, un 8, non, effectivement, tu n'as pas. Donc pour l'instant, le pouvoir de cette armure va rester un mystère. Bah, mais là, on testera bien. Non. C'est pas un truc magique sans savoir ce que c'est, même sans avoir peur de la magie. On va combattre un méchant, c'est l'occasion. Après, si elle te plaît pas, on verra. Mais c'est l'occasion que pendant le combat, il se passe un truc pourri. Plus pourri que moins 12 PV ou comment ça se passe? Ouais, bah ouais. Enfin, c'était même 16 hein, qui m'avait tapé l'autre corps. Oui, en plus. Oui, t'avais fait 16, ouais, effectivement. Ouais, c'était vénère. Donc, vous embarquez, j'imagine, cette armure? Oui, oui, bah oui. Quand même. Voilà, vous laissez le pauvre arbre mort totalement déraciné au milieu de la plage. On va boucher un peu les trous, c'est vrai qu'on a un peu niqué la nature du truc. Laisse pas les arbres comme ça, même s'il est mort, un peu de respect. On le rempote, oui. Ça marche, on le rempote. Tiens, t'auras de la terre toute fraîche. Ouais. Et après que vous ayez fait ça... Vous repartez en direction du sud. Vous marchez encore pendant une journée après ça. Vous marchez encore une journée. Et si, je compte que vous faites des pauses, etc. D'ailleurs, oui. Eldebaf, tu auras récupéré un certain nombre de points de vie pendant ce trajet. Ouais. Vous avez fait, on va dire, 4 jours de trajet pour y aller. Donc, t'as récupéré 4 fois 3, 12 points de vie. Parfait, je regarde ça. Et donc, à la fin de ce quatrième jour de trajet, vous arrivez, tandis que le soleil est en train de se coucher, vous arrivez en vue du mausolée. Il s'élève seul sur la côte, qui se détache sur le fond du ciel, et la mer à côté. L'endroit est particulièrement calme. Comprenez pourquoi on appelle cet endroit le repos des Ristés. Et vous voyez juste que la grille de la porte du mausolée semble avoir été ouverte.